Allez, salut, voilà, c'est toujours moi, Sam Hospital, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc je voulais juste m'excuser pour ceux qui m'envoient des messages et tout ça. Voilà, je vois bien vos messages, et en ce qui concerne les études ici en Russie, ceux qui ont reçu des bourses et tout ça. Donc, les gars, pour ceux qui m'ont écrit comme ça hier et avant-hier, essayez de m'écrire comme ça sur Telegram ou bien Instagram. Vous allez trouver les liens en commentaire ou bien en description. Parce que j'ai eu un souci avec mon téléphone et l'application WhatsApp. Donc essayez de m'écrire via Telegram. Voilà, c'est le même numéro. C'est le numéro qui passe là, et aussi Instagram. Donc aujourd'hui, je suis là juste pour vous présenter la bourse de la Turquie, l'université Kos, qui a été lancée. Donc à tout à l'heure. Et puis je vais essayer de vous expliquer pour voir comment ça marche, les gars. Alors donc comme je vous le disais, voilà, c'est la plateforme qu'elle a pour ceux qui sont déjà... qui ont déjà vu le site. Voilà, donc comme je vous le disais encore, cette bourse ne concerne pas les étudiants de la licence, le nouveau bachelier, mais seulement que le master et doctorat. Voilà, donc ceux de la licence peuvent attendre, parce que si par exemple vous venez là, ici par exemple, ça veut dire c'est la licence, je vais mettre en français comme ça, vous allez mieux comprendre. Voilà, ça c'est la licence, c'est le premier cycle, vous voyez ici. Voilà, donc si vous venez là à la bourse, ici la bourse qu'elle a, c'est la bourse TUC qui doit être lancée, mais c'est pas encore lancé. La bourse TUC que vous connaissez, vous tous vous connaissez, et cette bourse là, c'est de cette bourse là que je parle. Pour la licence par exemple, si je clique sur ce qu'elle a, vous allez voir que en fait la licence pour l'instant c'est pas encore lancé. Donc j'ai choisi le premier cycle et je fais les recherches. Voilà, vous allez voir que tout est fermé. Voilà, donc ici je choisis le premier cycle et puis je lance la recherche. Voilà, vous voyez là, tout est fermé, c'est pas encore ouvert, rien n'est encore ouvert pour le premier cycle. C'est pourquoi je vous dis que la bourse c'est pour le second cycle. Voilà, donc je vais repartir directement ici. Je vais mettre par exemple masters. Si c'est masters, vous choisissez masters. Si c'est doctorat, vous choisissez doctorat. Voilà, donc ça va dépendre de vous. Donc moi je choisis master, comme si je venais faire le master ici. Donc maintenant les éléments qui sont là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voilà, et vous faites la recherche pour pouvoir voir les éléments qui sont disponibles. Voilà, donc si on vient là, vous voyez que il y a archéologie et histoire de l'art. Vous voyez que la date limite c'est quand, c'est le 1er avril 2022. Voilà, et ici aussi les études en anglais, la date limite c'est quoi, ici c'est le 17 décembre ici 2021, le 17 décembre. Voilà, et vous voyez un peu ici c'est déjà fermé, donc c'est pas la peine de pouvoir postuler. Donc si vous avez eu la chance que votre matière ou bien votre faculté y est déjà, voilà, vous allez l'utiliser et vous allez postuler. Mais avant tout pour pouvoir postuler, c'est quoi, il faut d'abord s'enregistrer sur le site ici. Voilà, je vous montre parce que vous allez voir un peu comment ça se passe, et en même temps actuellement je suis en train de vous montrer comment est-ce que vous devez postuler, et je vais faire une autre vidéo où je vais essayer de postuler en même temps que vous. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc ici par exemple comme ça, je reviens sur la première de couverture ici, je reviens par exemple ici. Voilà, on était là. Donc pour pouvoir postuler, qu'est-ce que vous allez faire ici, c'est pour les masters. Voilà, qu'elle a, ne cliquez pas ici. Ici c'est la bourse de Turquie, la bourse de Turquie que vous connaissez vous tous. Voilà, si vous cliquez là, vous allez voir c'est la bourse de Turquie, mais c'est pas encore lancé, vous voyez, c'est pas encore lancé, donc c'est pas la peine de cliquer là. Voilà, donc je reviens sur ma première page. Ok, donc quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler? Je vais venir là par exemple comme ça sur comment postuler, vous allez voir comment est-ce qu'il faut faire. Ok, donc demande de bourse turque ici et ici aussi. Je viens là, demande de bourse turque, ah celui-là, un instant. Ici c'est PhD, ici c'est voilà, c'est là. Ok, donc arrivé là, qu'est-ce que vous faites? Parce que tous les éléments qui sont là, arrivé là, je vais choisir masters, voilà, et il fait mes recherches. Ok, donc une fois que j'arrive là, je choisis ma faculté que je vais, où je vais postuler, biomedical science, ingénierie avec thèse. Donc je peux cliquer ici, voilà, et une fois que vous arrivez là, ici par exemple, ici regardez bien, les cours commencent le 14 février 2022. Donc si vous pensez que vous pouvez commencer les cours le 14 février 2022, alors vous utilisez et puis vous postulez pour pouvoir commencer les cours en février 2022. Donc quels sont les éléments dont vous avez besoin? Voilà, voici tous les éléments qui sont là. Je vais mettre en français pour que vous devez viser à fournir 2 références académiques, mais les références de l'employeur sont également acceptées. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez donner 2 lettres de recommandation. Voilà, maintenant pour ceux qui travaillent, vous pouvez aussi donner, avoir une recommandation de votre employeur, voilà, de votre patron. Voilà, c'est acceptable. Les références ne peuvent pas télécharger de lettres de référence. Les référents existants, il leur sera demandé de remplir un formulaire pour fournir une référence. Vous devez inclure le nom, le poste, l'adresse email de votre établissement, adresse dans la section propriété du formulaire. Bon, tout ça, ça se trouve sur le site. Voilà, quand je vais commencer à postuler, vous allez voir, vous allez pouvoir aussi voir comment ça se passe pour pouvoir postuler. Ici, une lettre de recommandation doit être jointe à votre candidature. Voilà, et ici, cliquez ici pour consulter votre vidéo comment rédiger une lettre de motivation forte. Voilà, donc ceux qui veulent voir comment est-ce qu'on rédige une lettre de motivation, parce que c'est le poumon même de l'admission dans une université ou bien pour postuler à une bourse. Voilà, et voici les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler. N'oubliez pas, les cours que vous allez faire seront en anglais, donc il faudrait avoir un test TOEFL, voilà, et ici, ou bien IBT. C'est ce que je vous disais, si vous allez sur Duolingo, vous allez pouvoir avoir ce test, donc c'est pas vraiment trop compliqué. Et il faut aussi votre CV, rapport de test, ça c'est pas vraiment très important. Voilà, ici officiel, relevé de notes de toutes les universités fréquentées. Voilà, donc je crois que après avec ça, voilà, vous pouvez y aller. Une fois que vous finissez de voir et de vérifier que vous vérifiez les propriétés de la bourse, alors vous pouvez maintenant venir cliquer là, appliquer maintenant ici, voilà, et essayer de postuler. Mais je répète encore, vous devez d'abord vous enregistrer avant de pouvoir postuler. Voilà, ça c'était l'année passée que j'avais fait ça, j'avais fait la vidéo pour vous montrer, mais cette fois-ci vous allez cliquer ici comme étant nouveau candidat. Donc si vous cliquez ici, je suis un nouveau candidat, vous allez voir que ici on vous dit de saisir votre mail. Donc moi je vais mettre ce mail là, je vais changer de mail parce que je reçois trop de messages sur l'autre mail. Je répète encore, pour ceux qui m'ont écrit sur WhatsApp aujourd'hui et hier et aujourd'hui, essayez de me réécrire sur Telegram ou bien Instagram, parce que il y a un souci avec avec mon application dans le téléphone. Donc essayez de m'écrire via Telegram avec le même numéro. Voilà, ça marche. Donc ici, excusez-moi, ici je mets mon mail. n'oubliez pas, vous allez d'abord vous enregistrer avant de pouvoir mieux consulter. Donc ici par exemple, on me dit que nous avons envoyé un lien de connexion unique à votre adresse email, veuillez vous rendre sur la bonne. Si on vous demande un code PIN, veuillez utiliser celui-ci. Ok, donc je vais aller sur ma boîte mail pour pouvoir confirmer et commencer à m'enregistrer afin de postuler. Donc allons-y sur la boîte mail. Ok, j'ai reçu ce premier message, je vais voir. Ok, je vais voir si c'est le message. Voilà, c'est l'université Coast. Donc je vais cliquer là. Voilà, ça me renvoie directement sur le site où je vais m'enregistrer. Donc on m'avait demandé d'utiliser un code. Je vais voir ce code là. C'est 4898. 4898. Donc ici je mets 4898. Ok, donc vérifions, voir. Ok, donc directement vous voyez que je peux continuer. Je vais mettre mon nom ici, je vais changer de nom. Ok, la full name, nom et prénom. Ok, le password, vous pouvez utiliser le password qui est là, ou bien vous-même vous créez votre password. Voilà, pour ne pas trop durer cette vidéo, je vais utiliser le password qui est là. Ainsi, je clique sur enregistrer. S'il y a un souci, ils vont me rappeler cela. Voilà, donc à partir de cet instant là, voilà, vous allez commencer maintenant à postuler pour l'admission et aussi chercher à avoir la bourse. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais faire une deuxième vidéo et puis je vais vous montrer un peu comment ce qu'on peut faire jusqu'à fini. Voilà, je vous rappelle encore que j'ai un souci avec mon WhatsApp. Donc pour tous ceux qui m'envoient des messages, essayez de m'envoyer vos messages par Telegram. Telegram, c'est avec le même numéro. Voilà, et ou bien envoyez-moi vos messages par Instagram. Voilà, tous les liens sont en commentaire, en description plutôt. Vous allez dans la description, vous allez voir les liens là-bas, les liens Instagram, les liens Telegram. Donc c'était un peu ça. À tout à l'heure pour une seconde. Ok, allez, salut les gars. Voilà, c'est toujours moi, le Sam Hospital, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc aujourd'hui je suis là juste pour vous présenter une bourse d'études. Voilà, qui se lance dans les normes. C'est chaque 2 ans qu'il lance cela. Voilà, donc pour cette année vous avez l'opportunité de voir la bourse de la Hongrie. Donc ceux qui veulent vraiment postuler, c'est le moment de le faire. Voilà. Et ce que je voulais vous dire, cette bourse elle est hyper totale parce que c'est une bourse gouvernementale. Voilà, donc pour ceux qui veulent postuler, sachez que les cours sont dispensés en anglais et aussi en langue hongroise. Donc pour ceux qui veulent postuler, vous, si vous n'avez pas le certificat en anglais, vous serez obligé de faire une année de langue en langue hongroise avant de pouvoir commencer vos études. Voilà, donc ici je vais postuler en tant qu'étudiant qui part pour faire la licence. Donc ici par exemple je choisis ici. Voilà, donc je vais postuler. Vous cliquez sur apply for stipendium hungarian. Donc vous allez atteindre cet espace là. Donc dans les normes, on doit faire quoi? On doit d'abord s'enregistrer là. Voilà, vous allez vous enregistrer et tout ça avant de pouvoir postuler à cette bourse là. Voilà. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer comme ça de vous indiquer un peu quels sont les éléments que cette bourse prend en compte et puis comment est-ce que vous devez postuler. Voilà, donc je vous préviens en même temps. Voilà, la date limite c'est un peu avancé, c'est en janvier. Donc si vous avez l'opportunité, essayez de postuler. Donc ici comme ça, je vais cliquer sur ça, voilà, et on va retrouver ce qui est là et on va aller directement sur la plateforme pour pouvoir postuler ici. Voilà, vous arrivez là. Ok, arrivé là, pour ceux qui veulent faire le master ou bien la licence, c'est là. Voilà, et ceux qui veulent faire le doctorat, c'est ici. Voilà, donc si vous voulez postuler, vous devez choisir soit ici licence bachelor. Donc ici je clique sur licence. Voilà, ici. Voilà. Donc je vais essayer un peu de vous montrer un peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc je vais cliquer ici et vous montrer comment est-ce que, quels sont les éléments que prend en compte cette bourse. Voilà, donc on va aller un peu plus rapidement. Donc comme je le disais, les cours sont en anglais et en langue hongroise. Donc ceux qui veulent postuler et qui n'ont pas de certificat en anglais seront obligés de choisir la procédure avec la langue hongroise, ou vous allez étudier la langue hongroise peut-être pour un an. Voilà, un an c'est trop dit, mais 8 mois. Voilà, et avant cela, vous allez étudier cela avant de pouvoir continuer à y étudier. Voilà, donc ici par exemple, je vais essayer de vous montrer un peu quels sont les éléments que prend en charge ici par exemple. Quels sont les éléments qui sont couverts par la bourse? Voilà, il y a la scolarité qui est couverte par la bourse. Voilà. Et ici, chaque fin du mois, vous recevez 120 €. Voilà. Pour vivre chaque année. Voilà. Et c'est sur chaque année, chaque fin du mois, vous recevez 120 €. Et ici, en ce qui concerne le doctorat, voilà, vous avez des places gratuitement pour le doctorat. Et aussi, la bourse assure l'assurance médicale, comprenez. Donc voilà, maintenant en ce qui concerne ici l'éligibilité, il y a des pays qui sont éligibles. Donc si vous voulez vraiment postuler pour cette bourse là, vous devez vérifier là quels sont les pays qui sont éligibles, les pays qui peuvent faire le temps partiel ou bien le temps plein. Voilà, temps partiel, je vous ai déjà expliqué, ça veut dire que vous avez des heures de cours. Voilà, et temps plein, ça veut dire que vous devez suivre le programme de façon présentielle, vous devez être là à tout moment. Donc voici les pays qui sont éligibles pour les temps plein ici, et aussi les pays qui sont éligibles pour les temps partiel. Donc si vous vérifiez que votre pays n'est pas parmi ces deux éléments là, voilà, c'est pas la peine de postuler, parce que si vous postulez, vous n'allez pas ils vont pas suivre votre dossier. Donc si vous postulez, vous perdez votre temps. Donc vous vérifiez juste, et si vous êtes par exemple dans un pays qui est partenaire et qui peut postuler, alors vous essayez de postuler. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler, je vais essayer de vous dire un peu ces éléments là, comme ça vous allez pouvoir au moins vous apprêter et postuler. Donc n'oubliez pas, c'est très important, c'est la licence, le master et le doctorat. Voilà, donc pour ceux qui sont vraiment très intéressés et qui veulent plus d'informations, ils peuvent nous contacter inbox, on va essayer comme ça de les aider. Ok, allons directement pour pouvoir vous montrer un peu quelle est la ligne si vous voulez postuler, comment est-ce que vous devez faire. Et puis voilà, donc ici pour pouvoir postuler c'est très simple. Moi je vais postuler pour le master ou bien le baccalauréat. Donc je viens là par exemple, je trouve ici et je vérifie les documents dont j'ai besoin pour pouvoir postuler. Donc ici par exemple comme ça. Ok, donc pour l'application en ligne, voilà, the applicant must fill, save and request information online from online application from in English. Donc les éléments que vous allez remplir doivent être en anglais, même si vous allez y étudier en langue, par exemple en langue hongroise. Voilà, vous devez remplir quand même les éléments en anglais. Donc vous devez mettre une photo ici, comme une récente photo. Voilà, et ici those who apply for partial studies must clearly state the length and start date of the study they apply for. Donc pour ceux par exemple qui veulent postuler pour une étude partielle, ils doivent signifier quel est le moment qu'ils veulent commencer et quel est le moment qu'ils voudraient finir. Donc ici aussi on a quoi? Une lettre de motivation. Vous savez déjà comment est-ce que fonctionne une lettre de motivation. Vous devez mieux gérer cette lettre de motivation, voilà. Et ici, scan copy of the original proof or language proficiency with a minimum level determined for the host institution and translate. Donc pour ceux qui veulent postuler par exemple pour une institution en anglais, voilà, vous devez comme ça traduire les éléments, c'est-à-dire votre diplôme et les relever en anglais, voilà, avant de pouvoir postuler. Mais il a déjà dit, si vous voulez par exemple étudier en langue hongroise, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, de faire la traduction, voilà. Donc maintenant ici, dans le cas où vous avez complété, vous avez fini votre étude, voilà, vous devez mettre ces éléments là, et au moment où vous n'avez pas encore fini, vous pouvez mettre aussi le dernier relevé, voilà. Et puis moi, ce que moi je vous indique, si vous avez des certificats de fréquentation, voilà, vous pouvez mettre, pour ceux qui n'ont pas encore fini, si par exemple vous êtes en licence 3 et que vous voulez faire le master, voilà, vous allez mettre vos documents de licence 3, mais essayez de compléter aussi avec vos, voilà, donc compléter avec votre certificat de fréquentation. Maintenant ici on dit quoi? Translation only have to be attached if the copy of the original document is not in the language of the select study program or in Uruguay. Donc on vous dit quoi? On vous dit que essayez de traduire vos documents si ce n'est pas en anglais ou en langue hongroise, vous comprenez, voilà. Donc c'est un peu ça, c'est ce qui est identique, c'est ce qui est ici aussi, c'est la même chose. Pour ceux qui font le master, scannez vos copies, vos diplômes du secondaire, voilà, et leur traduction. Pour les masters aussi, pour ceux qui veulent faire des cours par exemple comme ça en temps plein, scannez aussi votre diplôme de licence et aussi les traductions, voilà. Donc c'est la même chose qui se trouve ici. Donc ici on dit copy of the original transcript and record regarding all academic semester or school years completing during the previous year. Donc c'est la même chose, c'est la traduction ici aussi. Vos documents doivent être traduits, voilà. Tous les documents doivent être traduits en anglais avant de pouvoir postuler, même ceux qui veulent leur postuler en langue hongroise, voilà. Donc n'oubliez pas cela. Donc ici tout est identique, donc c'est ce que je voulais vous dire. Et une fois que vous finissez, maintenant on va essayer de voir un peu si par exemple vous voulez postuler, comment est-ce que vous allez faire. Donc si vous venez ici apply here, voilà, vous allez commencer à postuler, vous allez vous enregistrer ici, voilà, vous allez comme ça vous enregistrer. Ok, ce que je vais faire est très simple, voilà, on va essayer de par exemple s'arrêter là, et puis je vais faire une deuxième vidéo où je peux vous montrer comment est-ce que vous allez faire pour postuler. Mais n'oubliez pas, avant de pouvoir postuler, essayez de vérifier parmi les pays si votre pays s'y trouve avant de pouvoir commencer à postuler, sinon ça sera pas la peine, voilà. Donc à tout à l'heure les gars, et puis j'espère que cette vidéo vous a servi. C'est juste une information que je vous donne, alors essayez de postuler si vous avez envie. Ok, donc à tout à l'heure les gars. Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, le Sam Hospital, et je suis là juste pour vous donner comme d'habitude des informations. Donc aujourd'hui je suis là pour l'université de York, voilà, qui est au Canada. Donc en ce qui concerne cette université là a commencé à publier des bourses pour les étudiants du premier cycle, du master et du doctorat. Donc c'est à dire quoi? C'est à dire que maintenant vous pouvez postuler en ce qui concerne les élèves, les étudiants de la licence, voilà, ceux qui viennent d'obtenir le bac, voilà, vous pouvez postuler pour la bourse d'entrée à York. Donc une fois qu'on dit une bourse d'entrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une bourse qui va vous permettre d'intégrer cette université. Voilà, la plupart des temps, les bourses, vous les obtenez lorsque vous êtes déjà inscrit dans les universités au Canada. Mais cette bourse-là, vous allez l'obtenir et y étudier, voilà, là-bas au Canada. Donc, c'est un peu ça. Mais pour pouvoir avoir cette bourse-là, à l'université de York, c'est comme l'université de Laval, voilà. Et en ce qui concerne les bourses, vous allez d'abord avoir une admission. Et une fois que vous avez l'admission maintenant, vous allez recevoir plusieurs types d'offres de bourses sur cette plateforme-là, sur votre plateforme. Et par là, vous allez pouvoir maintenant les postuler. Donc, dans un premier moment, c'est d'abord l'admission et ensuite les bourses. Donc, quelles sont les facultés que présente cette université? Vous venez dans le programme programme d'études, vous allez voir les facultés présentées. Et comme ça, si vous avez une faculté qui vous plaît, si vous avez une faculté qui vous sied, vous pouvez choisir. Donc, voici les facultés qui sont là. Voilà, il y a la science actuelle. Donc, les voilà qui sont là. Vous pouvez postuler directement dans cette faculté-là. Ou bien, vous pouvez postuler, vous pouvez venir là juste appliquer. Et puis, voilà, vous allez pouvoir postuler. Voilà, donc ça, ce sont les facultés. Ce sont les facultés qui sont dans ces universités-là. Je répète, on a la bourse concerne la licence, le master et le doctorat. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent postuler quand ils veulent et comme ils veulent. Voilà, donc nous allons venir maintenant sur les conditions d'admission pour les étudiants internationaux. C'est là, étudiants internationaux. Et je voulais vous rappeler aussi que, en ce qui concerne la langue va dépendre de la faculté que vous allez choisir. Voilà, donc si vous voulez étudier en anglais, ça sera à vous de voir et comment est-ce que vous allez faire. Donc ici, vous voyez là, si je viens là par exemple, vous allez voir un peu quelles sont les conditions que vous devez respecter pour pouvoir postuler à l'admission et aussi à la bourse. Voilà, donc ici c'est listé par pays. Donc si moi je suis par exemple du Bénin, voilà, si je suis du Bénin, je n'ai qu'à présenter le baccalauréat de l'enseignement secondaire. Ça c'est pour ceux qui veulent commencer à faire quoi, à faire la licence. Voilà, si je suis par exemple du Cameroun, je vais présenter comme ça un baccalauréat d'enseignement secondaire ou bien une combinaison de résultats CG ordinaire et des résultats de CG avancé. Maintenant, si je suis de la Côte d'Ivoire, voilà, ici, réussite de la première année dans un établissement d'enseignement supérieur accrédité, si vous avez rempli les conditions d'entrée à l'université dans votre pays d'origine. Nous vous encourageons à soumettre ces documents pour examen sur base individuelle. Voilà, donc, vous savez un peu comment est-ce que vous devez faire. Et puis, ça, ce sont les documents de façon minimale, voilà. Donc, sinon, le dossier complet est là. Donc, ici, une fois que vous avez fini là, en ce qui concerne les conditions d'admission, vous avez vu un peu les préliminaires, ce qui est primordial. Voilà, donc, accompagné à cela, vous allez mettre maintenant les relevés et puis le passeport et tout ça. Maintenant, voyons voir, comme vous savez déjà, en ce qui concerne les universités au Canada, il y a 3 saisons. Voilà, il y a le winter, il y a fall et puis maintenant il y a automne. Donc ici, on va voir rapidement les dates limites des candidatures. Comme ça, vous allez savoir à quel moment il faudra postuler pour ne pas être déphasé, pour ne pas postuler inutilement. Voilà, donc ici par exemple, pour ceux qui pensent aller pour l'hiver, c'est-à-dire pour la rentrée de janvier, si vous voulez faire la rentrée de janvier, voilà la date limite pour les étudiants internationaux. Voici pour les étudiants internationaux qui est là. Donc, c'est la colonne qui est là. Donc, pour la date limite des étudiants internationaux, c'est quoi? C'est le 1er novembre 2021. Et je crois que ça, vous ne pouvez pas parce que c'est déjà trop près. Voilà, c'est déjà trop près. Vous ne pouvez pas. Donc, ce que moi, je vous suggère, parce qu'une fois que vous avez l'admission dans une université au Canada, vous allez maintenant commencer à la procédure des documents, tout ça pour aller obtenir le visa et tout ça. Vous savez déjà que ça va prendre au moins 4 mois, minimum 4 mois. Donc, si je vous conseille, par exemple, comme ça, une session, ça sera forcément la session de quoi, d'été 2022, c'est-à-dire la rentrée de mai. La rentrée de mai, la date limite, c'est le 15 février. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous allez, parmi le 15 février, vous allez postuler comme ça à l'admission. Et une fois que vous obtenez l'admission, de décembre jusqu'au 15 février, ils vont aussi ouvrir le site en ce qui concerne la bourse et vous allez postuler aussi à la bourse. Voilà, ça c'est après admission. Voilà, maintenant ceux qui veulent pour l'année prochaine, c'est à dire automne, pour septembre prochain, voilà la date limite c'est jusqu'au 1er mars. Voilà, donc c'est un peu ça. Une fois que vous savez cela, vous savez au moins comment postuler et puis quand aussi chercher à postuler. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne, par exemple, comme ça, si je viens là, comment est-ce qu'on fait pour postuler? Ici, soumettre votre candidature. Comment est-ce qu'on soumet la candidature? Ici, je vais vous montrer un peu comment vous allez faire. Avant de postuler, vérifiez quel programme vous acceptez, quel programme vous, vous respectez les conditions. Voilà. Et ici, par exemple, comme ça, lorsque vous finissez, voici un peu le formulaire de candidature. Donc, demande du centre de demande d'admission aux universités d'Ontario et puis candidature à l'université York, maintenant ouverte au janvier 2022. Vous comprenez? Donc, vous pouvez commencer à postuler par là. Voilà, mais avant tout, vous allez d'abord vous enregistrer sur le site qui est là. Vous comprenez? Et une fois que vous vous êtes enregistré sur le site maintenant, vous allez pouvoir chercher à avoir l'admission, soit avec une demande sur le thème OUAC, ou bien vous allez postuler directement à l'université York. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, ici on dit quoi? Après avoir postulé, une fois que vous avez soumis votre demande, vous recevez un courrier contenant votre numéro de référence de York. Vous pouvez ensuite suivre la progression de votre demande, des pièces justificatives. Voilà, ça c'est pas un souci parce que c'est ce document là qui va vous aider aussi, c'est ce numéro qui va vous aider aussi à postuler à la bourse. Ok, maintenant la bourse, je vous montre un peu la bourse. Ici je vais utiliser comme ça. Ok, bourse et aide financière. Ok, donc arrivé là, vous cliquez sur je suis un candidat international et comme ça vous allez voir quelles sont les conditions pour le candidat international. Donc ici il y a les bourses qui sont là et en même temps avec les dates de soumission et aussi avec les éléments, les montants. Voilà, il y a plusieurs types de bourses, comme je vous avais déjà expliqué, il y a plusieurs types de bourses. Voilà, et ce site sera mis à jour, donc ne vous inquiétez pas. Donc où vous allez voir 2021, essayez de mettre 2022 parce que ils vont mettre ça à jour. Voilà, ici c'est déjà mis à jour. Donc voici les bourses qui sont déjà disponibles. Ici vous pouvez venir à la bourse comme ça de York Science. Une fois que vous allez avoir l'admission, vous pouvez postuler à la bourse de York Science Scholar Award. Après cela, parce que la date limite c'est quoi? C'est le 20 mars. Et ou bien vous pouvez postuler à la bourse qui est là. La date limite c'est le 1er avril. Donc vous postulez autant de bourses que vous voulez, voilà, et espérez au moins les avoir. Ou bien il y a aussi des bourses, par exemple comme ça, les bourses qui sont un peu reconnues, que tout le monde postule. Ici, bourse d'excellence internationale du président. Ça, vous voyez que la bourse est de 180 000 $, c'est 45 000 $ chaque année, fois les 4 ans que vous allez faire en licence, vous comprenez. Voilà, il y a aussi la bourse qui est là. Il y a la bourse du prix global Leader of Tomorrow pour les étudiants internationaux. Ici, vous pouvez postuler. Deux de ces bourses sont attribuées par an, par valeur. Il est renouvelable pour trois années supplémentaires d'études du premier cycle en plein temps. Si l'étudiant maintient à un niveau élevé chaque année, ce qui lui porte à un total de 80 000 $. Donc, vous comprenez. Voilà. Donc vous pouvez postuler aussi à cette bourse là, bourse d'études du secteur international, une bourse de 6 années, valeur de 15 000 $. Vous pouvez postuler autant de bourses que vous voulez. Voilà, et une fois que vous avez l'admission, vous postulez à cette bourse là. Maintenant, comment est-ce que vous allez vous enregistrer sur le site et puis comment est-ce que vous allez commencer maintenant à postuler? Voilà, ça ce n'est pas un souci. Maintenant ici, visiter le site web pour ceux qui veulent travailler. Bon, ça c'est pas à mon niveau, moi c'est pour les bourses et puis aussi les admissions. Donc si vous voulez faire une admission, par exemple vous voulez vous enregistrer sur le site, vous allez venir là dans appliquer. Voilà, vous venez là dans appliquer. Ok, donc ici vous allez faire un formulaire de demande. Il existe deux façons de postuler pour les études du premier cycle à York. Choisissez celle qui s'applique le mieux à votre situation. Donc nous, au lieu de passer par OAC, nous allons postuler directement pour la candidature de l'université de York directement. Voilà, donc ici suivez très bien. Pour pouvoir postuler ici, vous utilisez cette application. Vous êtes candidat mature international ou universitaire collégial, Si vous postulez maintenant à IOC ou vous souhaitez suivre les cours en tant qu'étudiant visiteur et tout ça, ici, regardez bien, les frais d'inscription, c'est $130. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent vraiment postuler, les frais d'inscription, c'est $130. Donc, ici, vous pouvez appliquer maintenant ou bien faites votre demande et puis voilà, vous allez l'utiliser. Maintenant, pour ceux qui veulent passer par OAC, vous pouvez cliquer là. Voilà. Pour OAC, utiliser cette application, vous souhaitez postuler pour des études maintenant pour un diplôme de n'importe quelle session. Donc, vous allez passer par OAC, vous allez passer par. Vous allez d'abord vous inscrire ici. Avec OAC, on s'inscrit d'abord et lorsqu'on finit, les frais d'inscription, il y a quoi? Il y a 101 frais de dossier et puis 105 frais de dossier. Donc, ça sera à vous maintenant de voir si vous pouvez postuler là. Parce que le prix, l'élément OUAC, si vous passez par OUAC, vous avez plusieurs types d'universités dans lesquelles vous allez pouvoir postuler. Donc, il y aura deux frais. Mais si vous passez directement par l'université WOC, c'est-à-dire que c'est dans l'université WOC que vous allez postuler. Vous comprenez? Généralement, avec OUAC, il y a plusieurs types d'universités. Parce que OUAC renferme plusieurs universités à son sein. Voilà. Donc, si vous passez par OUAC, ça va dépendre de vous. Si vous voulez passer par plusieurs universités en même temps ou bien plusieurs bourses, vous pouvez passer par OAC. Mais ce que moi je vous conseille, c'est de passer, de faire la candidature directe à l'université York. Comme ça, vous allez pouvoir vous retrouver, vous serez fixé sur un plan et puis voilà. Mais n'oubliez pas, c'est $130 l'admission. Donc si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez me contacter avec Bourse. Vous allez voir mon numéro en description. Comme ça, vous allez pouvoir le faire directement. Voilà, donc les gars, c'était un peu ça. C'est facile, c'est pour juste vous montrer, vous dire un peu comment est-ce que vous devez postuler. Et dans une nouvelle vidéo, je vais essayer de postuler pour l'admission. Comme ça, vous allez me suivre et puis aussi essayer aussi de postuler. Voilà, si vous avez des questions, essayez de laisser en commentaire. Je vais vous répondre comme d'habitude. Ok, à plus les gars.